Le prince William et Kate Middleton étaient en visite à l'hippodrome de Newmarket le 23 juin dernier. La duchesse de Cambridge a demandé à tenir un bébé de 4 mois. Nerveux, le prince William a demandé à sa femme de partir. Le prince William et Kate Middleton étaient présents à l'hippodrome de Newmarket, le jeudi 23 juin dernier. Un événement dont la duchesse de Cambridge avait profité pour s'occuper d'un bébé. Chose qui a visiblement ravi la royale de 40 ans. Il s'agissait de la petite Nora, âgée seulement de 4 mois. Nora était également à cet événement accompagnée de sa mère, Marianne Prevost. Les deux étaient venus des Pays-Bas. Tout en souriant et discutant avec le bébé, Kate Middleton a confié à la mère de Nora, « J'adore les bébés. » La mère des princes George et Louis ainsi que de la princesse Charlotte a demandé à Madame Prevost si elle pouvait tenir Nora. Profitez de votre journée et de vos enfants, aurait-on entendu dire Madame Prevost, selon le Mirror. Si la duchesse a bien profité de ce moment, ce n'était visiblement pas le cas pour le duc de Cambridge. Le prince Harry, si est-il heureux de partir dans un clip vidéo montrant l'événement, on peut voir le prince William tapoter sur le bras de sa femme. Après quoi, il lui aurait dit, « Si est-il heure de partir », rapporte le média. Devant cette intéressante scène, les fans de la famille royale se sont rendus sur Twitter afin de plaisanter dessus. William est un peu nerveux. Il est nerveux à trois. Un autre pourrait le faire basculer, avait commenté un internaute. Pauvre William. Il devient très nerveux quand Catherine commence à avoir le cafard, a commenté un autre. Toujours à l'hippodrome de Newmarket, le couple royal a également été vu en train de boire une bière. Le couple iconique a également joué au football. Malgré cette scène inattendue, le prince William et Kate Middleton étaient visiblement d'humeur joviale lors de la toute première journée du comté de Cambridgeshire. We'll be right back.